Bon, montrez-toi un timing, comment faire ça seulement pour toute longue l'année tout cas manger. Check sa technique là. Puis ce moment, nous coupons un morceau. Coupe zot mangue comme ça. Elle a les bouvines rôles. Elle a tout sauté long dans sa style là. Bon, je finis coupe bon mangue. Je prends un sénie que je vais mettre un sénie moi. Je vais mettre un nez là-dedans. Je vais mettre un nez là-dedans. Et là, je vais installer zot mangue comme ça. Parce que les mangues sont plus secs de soleil, ils sont plus longs de l'eau. Déjà, ils sont plus chauds dans les ailes. Comme ça, ils ne vont pas affecter les autres mangues. Allez là, je installe les autres mangues comme ça, ils vont être déboutés pour qu'ils aient des phares soleil. Et comment ça n'est pas bon? Je vais mettre comme ça pour qu'ils aient des phares soleil. Vous voyez là? Allez là, je vais mettre dans le soleil. Un jour, soit des jours, dépend combien de soleil dans le côté. Là, je vais servir une assiette. Je vais mettre un tissu paper en bas. Pareil, là, je vais mettre un mangue perdu sec. Moi, je suis content. Fini de mettre mon assort avant l'hiver à rentrer. Allez là, vous êtes bang, là, il est fini 50 jours. Vous avez payé de frise 10 de garder. Vous avez 50 jours. Vous avez aussi sec encore un jour. Ça veut dire 2 jours, vous mettez sec. Vous allez vous cram-cram. Faites là, mon mangue est fini sec. Cram-cram net. Astier, parce qu'il y en a beaucoup d'insectes qui nous posent. Dans la mousse ou ça. Nous pouvons passer dans des bouillantes, nous tirer. Faites bien, là, je vais vous servir autant même. Tout ça c'est maintenant. Ça veut dire que cette technique, je vais te mettre ça là toute longue l'année. Là, ça, je mets dans le frigo. Comment ça, je finis de manger. Là, je vais faire ça. D'accord? Toute longue l'année, je vais mettre ça. Là, je vais délouper le bruit. Je vais mettre dans le bouillon. Le bouillon, là, il fait, il tue tout simplement les bactéries là. Après, il refait manger la vie molle. D'accord? Ça veut dire que tu fais tout ça, tu guides pas, tu guides. Tu mets dans ton pot, tu manges comme elle finit. Tu reprends ça. Ça, tu vas conserver dans le frigo, je te dis toi. Et que tu peux tout le temps être malané et dans la salle. Dans nos vieilles découpes. Des dollars bizarres bouillantes, bien. Maintenant, nous faisons manger la vie molle. Là, toutes les bactéries dans la vie finit molle. Correct, fini bien viré. N'est-ce que tu as manger la vie molle? C'est une vie molle. C'est une vie molle. Correct, je t'ai attiré. Tiens, je te gaz. Je t'ai attiré toute manger. Mettez dans un assiette et siffrez. Moi, je vais mettre ce qui gagne dans le supermarché, moi, des pizzas sortes. Des gens salés, ça, hein? Des gens ont du sel là-dedans. Là, on met du sel. Je prends ça. Je vais mettre de mangue là-dedans. D'accord? Après, mélangez. Mélangez bien. Battez bien. Mettez bien mélangé. Là, je vais mettre un petit peu d'huile là-dedans. Je vais mettre trop beaucoup d'huile. Là, je vais mélanger dans ce style-là, clockwise, hein? Pour que tous les épices avec ce déluge rentrent bien dans ma main. Ça met de la main dans mes couilles même. Et comment on est fini bien mélanger. Non, nous ne pas mettre trop beaucoup de sel, nous pas mettre du sel même, là nous faisons une mangue sec. Une sec pour lui-même. Après, je ne guette qui beaucoup d'assort dans mon riz, je mangeais bien salé. Ça n'a pas de faire du salé, mais manger au goût naturel. Et dans 10 épices de tarsier de supermarché, bon, des épices d'assort, pas de pas de compliqué tout à vite. Là, l'assort est presque fini pareil. Alors, c'est un nec mettre dans une bol. Mais là, dernier step, nec arrange un petit peu, safran. Safran en poudre, ça va en déjà. Je vais quand même mettre métis, hein, métis. Mais moi, mettre métis, moi, on me dit safran. Et là, je vais mélanger pareil, qui est bien. Et là, je vais mettre un petit peu de l'ail. Pas mettre trop beaucoup. Je vais quand mettre beaucoup. Hein. Couper, je vais mettre, moi, je vais mettre l'écraser. L'ail là, il est pour fermenter bien avec les épices. Et que. Battez. Mélangez bien pour aussi. Je vais prendre un pot. Je vais souiller bien. Non, pas dans aucun délo. Je prends un délo, il est pour gâter. Hein. Ça devient sec sa peau là. Et là, je vais remplir ça là-dedans. La question se pose, est-ce que vous avez rempli d'escalade là pour une escalade en déluge? Bien simple. Si tu peux finir de manger ça dans l'espace 3 semaines et mois, parce qu'il nous faut garder le frigo ça, le frigidaire, sorry, et que pas nécessaire de mettre de l'huile. Mais si tu as envie de garder l'eau là-dedans, là tu as besoin de remplir l'eau de l'huile. Là, ça de l'huile là, tu n'as pas été. Tu as réservé d'autres lieux d'assort. Mais c'est pas la technique d'assort là, il est toi. Et que tu ne comprends comment faire ça à long terme. Là, tu manges sec tout le temps, le reste de ton frigo. Comment ça finit? Tu aurais fait le même step, tu passes dans le bruit, tu aurais mis dans tes épices, tu aurais gardé dans le frigo, tu aurais mangé même.
Dennis, quand mettre la sœur pour toi-même, parce qu'ils ont dit que beaucoup de sœurs qui nous mangent des eaux, bien salées, attention quand on monte. Mange moins de sel et garde-toi en bonne santé. Toi-même, ciao, besoin de toi de vos vidéos, moi c'est petit d'aller chez toi. Bye bye.